Le ballon circule dans nos veines, mais on s'en fout. Bienvenue, chers internautes, sur Youth ActuFoot, la chaîne qui vous permet de suivre l'actualité du football. Où que vous soyez, quand vous êtes sur Romy, quand vous êtes hors du pays, les gens qui sont en train de faire une cloche de notification. Comme ça, vidéo vous pouvez vous faire une box signée que vous avez. Donc, rapidement, guys, on va démarrer le tour de l'actualité par son équipement, RSIO, qui a été joué ce week-end passé. Match décisif, match décisif contre l'Italie. Normalement, si vous gagnez, vous allez revenir sur le podium, prendre la place au HLM. Actuellement, nous avons 2 points, mais c'est dommage. C'est dommage, puisque le match est bon. Cette année, le match est l'équipe B. Ils ont été plus ou moins à la hauteur, hein, si première mi-temps, mais malheureusement, nous avons une dernière minute quand même. Dernière minute, nous avons encaissé. Vraiment, c'était évitable. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que le championnat de Desna, vous continuez. Si lancez bien que vous avez un match, vous avez un match de qualifier, tout reste possible. Donc, à part ça, nous basculons directement. Si les actualités de l'équipe nationale du Sénégal, la dernière fois, nous l'avons vu, à l'UCC, il s'est murmuré sur le côté Fédération Sénégalaise de football, comme quoi que nous avons prolongé. Ça y est, nous avons dit pour gagner liste 23 joueurs, pour une liste élargie pardon, de 31 joueurs, je pense, pour nous diamarlo contre. Gabon a contre Benin, bien entendu, nous avons joué sur date FIFA, nous avons fait ça en France. Donc, c'est l'issue de l'Obnon, effectivement, nous avons aussi dégagé à tout l'UBS. Donc, d'après le journal DTV, qui nous a Arona Sangate et Abib Diara, nous avons beaucoup sur l'issue de l'Obnon, et aussi le jeune Amara Diouf. Donc information yoy non meun len wax ne meun len citer meun len ci japp bu baakha baax ndax ce matin ñu ngi jot une information comme quoi que Aliou Cissé dañ ko invité won ci radio suite FM bu Casamance jot na ko confirmer wax na ni le cas Abib Diara nek na ben jour bo xamanteni ni sénégalais la comme ñep parce que Guedi Way bi ni le judo même si France le yéro mais comme jour yi xamanteni dañuy dañ bëgg défendre sen ay couleur nationale mom c'est un sénégalais à part entière donc convaincu que si suñu équipe nationale c'est tout à fait normal donc man ma japp ni personnellement c'est un renfort de taille puisque le gamin il est vraiment très talentueux à part mom aussi Arona Sangante dañ ñen ko wax dañ tuddu turam avant liste Sénégal si Coupe d'Afrique bien passé si problème un choix à l'UCC de faire mouiller Dieu le choix porter aussi Abdoulaye Niakhaté Ndiaye mais ñep yakarone né Arona Sangante mënon na bok ci liste bi xamanté mom la à l'UCC don yobu par rapport à Coupe d'Afrique bi ndax koy xol ay prestations nek capitaine quand même à Daw si Ligue 2 bi mom bokon na ci équipe type bi je pense que ni alternative là par rapport à Koulibaly nous avons bon maintenant voir mais fin de carrière le gagne jugé que début de carrière comme donc Arona Sangante si ça m'a parlé c'est un renfort de taille c'est un très bon défenseur benen bi moy Amara Diouf amna ñoo xamanteni dañu né dafa tel pour ñu sélectionner boy bi di Amara Diouf mais man je suis sceptique par rapport à lolu damay wax mi raisin quoi parce que buñu xolé équipe Espagne bi la dernière fois sélectionné nén Lamine Yamal tay jini boy xol en termes de talent Lamine Yamal Amara Diouf soriw ko Amara Diouf soriw Lamine Yamal c'est parce que rek médiatisation bi mo xaw yeukati tourou boy bi mais man pour moi en termes de talent il n'est pas trop loin par rapport à Lamine Yamal même si on va dire que le niveau est beaucoup le boy ou Espagne il veut jouer ici au niveau mais petit à petit comme Aliou Cissé ni mou ko def ni dit que sélectionner dit que préparer pour mon nek un probable remplaçant à Sadio Mané c'est bien parce que mon dit si c'est vrai te mon attirer aussi le convoitise des autres grands noms des clubs européens donc en gros nañu japonais c'est confirmé Abib Diara Arona Sangante ak le jeune le gamin Amara Diouf dañuy bok ci liste Aliou Cissé bi muy publier suba inshallah gaay ñu xaar information bobu non benen bi nak c'est une triste information hein. Muy Youssouf Sawali
ñun ñëpp ñoo ko gisandoo biñ xëyee information bi wàcc na comme quoi que Youssouf Sabaly malheureusement dafay arrêté carrière am équipe nationale du Sénégal. Mu nekk benn nouvelle boo xamante ni man personnellement ça m'a fait un petit pinceau que ndax ku xam Sabaly xam ne man à la limite si ñi ma seetaan ah je pèse bien mes mots si ñi ma seetaan jàpp naa ne c'est le meilleur latéral droite de l'histoire du Sénégal vraiment puisque Sabaly mosuñu gis un défenseur latéral droit boo xamante ni en équipe nationale si 31 sélections yi mu am yëpp mosuma seetaan boo match boo xamante ni Sabaly il a déçu. Je me rappelle suñu match contre Égypte biñu joué fii nii à Dakar stade Diam Niadio mais Sabaly il était extraordinaire comme d'habitude. Te rappelez-vous aussi Coupe du Monde 2018 amon un problème au arrière gauche, il a dépanné sur côté gauche, donc malheureusement c'est un grand joueur de moins pour une équipe nationale. Bon décision bi pourquoi mu arrêté dinañ ci ñëw ci benen édition mais japp leen né information bi c'est confirmé même par Aliou Cissé comme niñ ko doon waxé sans que d'après invite émission bi mu doon def ci sud FM bu Casamance Aliou Cissé jaarat na ci néné comme quoi que Youssouf Sabaly daf ni ko carrément par rapport ak blessure ak stabilité carrière dafa gissone pour mettre entre si équipe nationale comme ça concentré aussi ce club bi metina neexul mais bon je pense que amna ay potentiel amna ay remplaçant yo xamanté man len postuler si poste bob ñu jërëlem buñu gissé prestation Crépin Diatta si Coupe d'Afrique bi passé je pense que ni yaakaar mën naam si yeneen édition inshallah rabbi dina indi dina dugg bu baax a baax si détail yu annonce wala départ décision wu Youssouf Sabaly.